Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh, c'était juste une petite chanson. Hein. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va parler de mes maths de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça pourrait intéresser cette vidéo. Je vais vous montrer tout de suite les couleurs que j'ai choisies quand j'ai commandé il y a quelques mois déjà. Et n'hésitez pas de me dire votre avis en commentaire et même ce que vous préférez si vous en avez déjà et que moi j'ai pas. J'aurais bien aimé du coup pouvoir en acheter et voir tester avec vous. Alors les trois maths que j'ai en fait c'est trois vraiment complètement différents. C'est ces trois là. Alors je vais essayer de vous les montrer mieux. Mais ça donne ça, donc c'est trois couleurs vraiment différentes. Alors je vous avouerai que ces deux là ils sont quand même assez flash. Je les porte pas tous les jours. Et puis je préfère attendre de faire la vidéo pour pouvoir les porter. Parce que en fait si je les porte et qu'ils se terminent je pourrais pas vous faire la vidéo. Il faudrait que je les rachète. Donc voilà. Alors je compte me refaire une commande. Je sais pas encore quand mais une grosse commande chez eux. Et aussi sur ceux de chez Kylie Jenner. Et je vous ferai une vidéo à ce moment là. Mais là je vais vous montrer vraiment les trois que j'ai. Et voilà, donc comme pour la vidéo des gloss, je vais vous swatcher tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et pour ceux qui n'ont pas vu celle des gloss, n'hésitez pas juste ici là à aller la voir. N'hésitez pas ici à vous abonner. Je commence tout de suite les swatchs. Vous allez voir, ça envoie du lourd. C'est tellement pigmenté que c'est ça quoi. Donc c'est parti. Donc je vais commencer en fait je vais commencer par non. Je vais commencer par le plus nude parce que ce sera plus simple après de mettre les deux autres et d'enlever celui-ci. Donc on va au nude, que j'aime beaucoup, et c'est parti. Donc de loin, ça donne ça, donc franchement, je le trouve trop beau et je pense que vous aussi vous le trouvez trop beau, surtout pour celles qui sont plutôt naturelles. Et on peut le mettre à n'importe quel moment pour aller en cours, pour tout. Et moi je l'aime beaucoup et surtout quand on charge nos yeux ou même comme ça, j'ai pas mis grand chose sur mes yeux et pourtant je trouve qu'il est vraiment sympa celui-ci. Et du coup c'est le Pure Hollywood. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr les référence en barre d'infos pour être sûr, donc n'hésitez pas à dérouler la barre où il y a toute l'info. Et voilà, donc on passe au suivant. Donc je me dépêche d'enlever celui-là parce qu'il sèche quand même assez rapidement. J'arrive pas à enlever, je sais pas comment faire. J'ai trouvé mon coin à coton-tige. Et ouais, avec moi vous voyez le derrière du décor, ce qui se passe en réalité. J'ai pas le truc tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est pas parfait. Hein. Voilà. Une fois retiré en majorité on va dire, je vais... Vous voulez lequel? Je vais choisir pour vous hein, bien sûr. Et on va prendre du coup celui-là. C'est parti pour le petit swatch. Alors faites attention parce que celui-ci il est vraiment vraiment waouh. Donc de loin ce que ça donne,
Franchement, je sais pas pour vous, mais c'est quand même assez flash, mais il est trop beau. Mais on voit que ça en fait, donc celles qui n'osent pas, voilà, n'achetez pas. Hein. Mais il est vraiment très joli. Hein. Donc voilà, donc c'est un mat également. Et bah, il pète, hein, comme on dit. Mais vous inquiétez pas que l'autre, ce sera la même chose. C'est parti, nettoyage des lèvres. Je me suis tachée, et alors? Alors mais là, elle ressemble plus à rien. C'est pas grave, t'inquiète. No size. Donc, maintenant, j'ai essayé de retirer au maximum celui que j'avais, et on va passer à celui-ci. Alors, regardez juste, rien que la couleur, elle a l'air magnifique. Enfin, elle a l'air. Elle est magnifique. Eh, on arrête ça tout de suite, là. Mais d'où c'est magnifique ça? Pourquoi j'ai dit ça? C'est on dirait une Nicki Minaj qui va vouloir ça. Oh là 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 là. Purée. Non non non. Je vous comprends si vous dites que c'est horrible. Hein. Ouais. Ouais je sais. Je sais je sais. Voici le dernier. Bon, là sur moi comme ça, ça fait vraiment chelou. De fou malade. Non, ça fait vraiment bizarre. Celui-ci, je crois que je n'adhère pas de fou malade. Ah non, ça va comme ça là en fait. T'as de la merde dans les yeux ou c'est comment? Donc celui-ci, ça donne ce que j'ai là. Et bah... Je pense que vous êtes toutes là devant votre écran à vous dire comme moi avant de les acheter. Faut que j'achète ça. Oh non, faut que je regarde plus. Sinon plus je vais acheter. Oh non 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 non. Bah voilà, je sais, désolée, excusez-moi. Voilà pour les trois petits swatchs. Comme vous avez pu voir, ils sont magnifiques. C'est, les couleurs elles sont sublimes. Sauf celle que t'as là tout de suite sur toi qui est bizarre. Elles sont tellement pigmentées que vous pourrez pas me dire non, ce n'est pas pigmenté. Hein, si je lis un commentaire comme ça. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et bah, j'espère que vous êtes toutes prêtes à voir la prochaine vidéo de ma grosse commande à venir. Donc ce sera dans quelques semaines. Faut être patient, oui, je sais. On n'est pas patientes, nous les filles. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous remets du coup ici là mon petit lien pour s'abonner. Il y a juste à cliquer dessus et vous êtes abonné. Donc pas de boulot, rien, tout nickel. Alors n'hésitez pas aussi à voir sur ma barre, enfin dans ma barre d'infos, mon Instagram, abonnez-vous également, mon Twitter et mon Facebook ou ma page Facebook. Donc voilà. Donc je vous laisse tranquille et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!